Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochaines informations préférées, Afrique EV. Aujourd'hui, on s'étape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Mali, où nous avons le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui rend un véritable hommage aux soldats abattus le 17 septembre 2024 à Bamako. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Mali, aucun communiqué officiel des autorités militaires maliennes n'avait jusque-là reconnu ou même fait allusion aux victimes de l'attaque du 17 septembre, notamment à l'école de gendarmerie de Faladji. C'est désormais chose faite. Dans son discours à la Nation, de ce samedi 21 septembre 2024, hommage à la fête de l'indépendance. Le colonel Assimi Goïta a profité une fois de plus pour rendre hommage aux victimes de cette attaque perpétrée par les rebelles. Parlant de cette attaque perpétrée par les rebelles du 17 septembre, le président de la transition s'est d'abord adressé aux forces de défense et de sécurité. Cette attaque, a-t-il affirmé, nous rappelle l'impérieuse nécessité de demeurer vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire à toutes circonstances. Le chef de l'État s'est d'abord incliné devant la mémoire des innocents lâchement assassinés lors de cette agression barbare, avant d'adresser ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Pour terminer avec ce chapitre, le colonel Assimi Goïta a salué le professionnalisme des forces d'intervention qui ont su à quelle heure intervenir pour mettre fin à cette attaque qui a vraiment bouleversé toute la ville de Bamako. Sur les opérations militaires dans le pays, le président de la transition souligne le retour des forces armées maliennes ainsi que le service de base Amber, en Tessali, en Efi, Kidal et Agelor. Il a également annoncé la poursuite des efforts d'équipement de notre armée. Pour terminer, le chef de l'État a appelé à l'Union nationale afin de vaincre les groupes séparatistes et jeter la base du développement tant attendu par les Maliens. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Mali. Dites-le en commentaire ce que vous en pensez de notre petite note informative car moi je trouve que les forces de défense de l'armée malienne sont en train de faire de leur mieux pour remédier à cette situation qui frappe vraiment et très mal le Mali, notre pays, vraiment tant aimé. Avec cette attaque qui a été perpétrée le 17, vraiment la situation est vraiment sous contrôle actuellement du côté du Mali, mais les populations sont toujours dans la crainte totale car depuis, on n'a pas encore eu un chef rebelle qui a été arrêté et qui a donné plus d'informations. Et bien les amis, dans ce cas, je vous prie de rester scotché à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos car les informations continuent de se poursuivre et pour cela, pour être toujours à l'heure et à l'écoute de nos informations, je vous prie de rester scotché à la chaîne, donc abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner, activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et laissez un petit pouce bleu pour encourager les forces de défense qui se battent chaque jour dans les fronts pour venir en aide à l'armée malienne. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis, bye bye.